More action, more excitement, more everything. Quel impact pour l'Europe? On demande toujours quel impact pour l'Europe. C'est-à-dire que Sidney Powell a dit que la fraude électorale, c'était un phénomène mondial. Et à partir du moment où est-ce que l'opération est éventée, démontée, démontrée au public américain et à la planète, parce que tout le monde regarde ce qui se passe aux États-Unis. Imaginez les gouvernements, les dirigeants des pays européens qui ont été élus grâce à la fraude électorale, à quel point ils doivent être terrifiés de ce qui se passe aux États-Unis. Et là, si tu sais, à partir du moment où est-ce que tu te fais élire avec une fraude électorale, les chiffres ont été manipulés en ta faveur, c'est ceux qui ont manipulé les chiffres qui te contrôlent finalement, hein, l'état profond. Mais à partir du moment où est-ce que les États-Unis ont la preuve que un dirigeant européen a été élu avec de la fraude, ben là, la peur vient de changer de bord, là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut le faire chanter ou on peut lui dire « tu ne te représentes pas ». D'ailleurs, je remarque que Macron a dit récemment qu'il ne se représenterait pas. C'est étrange comme déclaration, n'est-ce pas? Mais peut-être que je pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dur, parce que les circonstances l'exigeront et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. Pourquoi il ne se représenterait pas? S'il est capable, si ceux qui l'ont fait élire sont capables de manipuler les chiffres, lui donner de l'exposure, vous comprenez comment ça fonctionne en contrôlant les médias avec des sondages bidons favorables et produire une fausse élection d'un faux candidat dans une fausse démocratie? Pourquoi, si on est capable de frauder à cette échelle-là, pourquoi Macron ne se représenterait pas? Probablement parce qu'on lui a dit « tu débarques ». Les Américains, Mike Pompeo, quand il est allé en France, lui a dit « tu débarques ». Peut-être, je veux dire, je spécule, là, mais c'est comme ça que je le vois. Et éventuellement, il va y avoir des élections libres en France, de vraies élections. À partir du moment où est-ce que le stratagème a été éventé, Dominion perd la face, les logiciels sont mis en cause, les gens vont commencer à se poser des questions et on va peut-être commencer à avoir des vraies élections.